إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار أيها المؤمنون أيها الإخوة والآباء والأمهات والأبناء طبتم وطاب ممشاكم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في الجنة demandons à الله سبحانه وتعالى que nous soyons rassemblés au paradis comme nous le sommes aujourd'hui ici dans cette mosquée نحن موجودون اليوم هنا منا الكبير والصغير منا من هو فرحان ومنا من هو حزين ومنا من عليه ديون وتراكمت عليه ديون ومنا ربما من أذنب ذنوبا وجاء ليبكي أمام الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يغفر له ومنا من عنده مشاكل في البيت مع أولادي ومع أهلي ومع الناس ومنا من عنده مشاكل في عملي ومنا من عنده مشاكل أخرى لا يعلمها إلا الله هذا هو حالنا أيها الإخوة رجال ونساء notre cas aujourd'hui mes chers frères et sœurs nous sommes rassemblés aujourd'hui il y a parmi nous des parents des mamans des papas des enfants des garçons des filles et chacun à un intérieur que personne ne connaît sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a parmi nous aujourd'hui qui sont contents, il y en a parmi nous qui sont tristes, il y en a parmi nous qui sont endettés, qui n'arrivent plus à s'en sortir, il y en a parmi nous qui ont des problèmes de famille, il y en a parmi nous qui ont des problèmes au travail, il y en a parmi nous qui ont des problèmes que le seul qui les connaît c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun d'entre nous a un intérieur, le seul qui le connaît c'est lui et Allah Azza wa Jalla. Et nous avons besoin de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça il faut le savoir que le seul qui pourra résoudre ses problèmes, c'est avec l'appui d'Allah Azza wa Jalla. L'appui d'Allah Azza wa Jalla. Et puis ton acte et ton agissement et ton effort. ومعنا كذلك اليوم أولاد ماتت أمهم رحمها الله. Nous avons parmi nous aujourd'hui des jeunes que je connais personnellement, que j'ai connus il y a longtemps. On va faire la prière sur leur maman aujourd'hui. الخير أيها الإخوة. Et ce qui soulage, c'est que cette maman رحمها الله on va faire la prière sur elle et en même temps il y a ses enfants qui sont à la mosquée alhamdoulilah et c'est pourquoi j'adresse la parole à ses enfants et je leur dis c'est dans la balance des bonnes actions de votre maman le fait que vous soyez là aujourd'hui vous êtes à la mosquée alhamdoulilah vous êtes pratiquant alhamdoulilah vous êtes assidu sur votre prière vous devez être content que votre maman quand elle aura des questions à répondre auprès d'Allah Azza wa Jal, elle va dire « Je les ai éduqués sur Salah. » Hadi ni'ma. An yurabbi l'ab. Aulada. Wa an turabbi l'um. Aulada. An yakun l'ab l'ibn musalli. Wa tkun l'ibn l'bint. Muta'ajiba wa musalliya. Fahadi ni'ma. L'ana qult lakum. Anna uja'at l'atar. Anna l'ibn. L'ibn. Yata'allaq. بوالده يوم القيامة
ويقول يا ربي خذ لي حقي من هذا فإنهم لم يأمرني بالدين. صوروا هذه الحالة أن الإبن يوقف أمام الله عز وجل يحاكم الوالدة ويقول له بابا ما علمنيش الدين، أو للأم ديالي ما علمنيش الدين. Vous imaginez cette situation que l'enfant dit à Allah Azza wa Jalla, mon père ne m'a pas appris ma religion. Ma mère ne m'a pas appris ma religion. Et donc je dis à ces jeunes, Alhamdulillah, la séparation est très difficile. Al-firaq sa'b jiddan. An yufariq al-insan umma. An tamuta ummu. Yani hada amr min as'ab umur. An tadhhab ummuk. Que tu perds ton père, que tu perds ta mère, ces deux personnes-là, quand tu les perds, eh bien c'est une... C'est vraiment un tremblement dans l'intérieur de la personne, mais c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada qala Allah azza wa jalla. Wa hada amru Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluna sanamut. Kullu hayyin sayamut. Kullu ibn Adam sayamut. Chacun d'entre nous goûtera la mort. Et chacun d'entre nous partira de ce bas monde et rencontrera Allah Azza wa Jal. Et donc je dis à ces jeunes, Alhamdulillah, bien sûr la séparation est très difficile, mais Alhamdulillah que vous êtes sur le bon chemin et sur le droit chemin. Parce qu'il y a des parents certains qui meurent et que l'enfant, il est loin de la religion, il est dans la drogue, il est dans l'alcool, il est dans l'adultère, il est dans la fornication, il est dans de l'eau, il est dans... pas. الحمد لله إذا مات الأب ومات الأم وخلى الأولاد الحمد لله صالحين فهذه نعمة. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأم من أهل الجنة. نطلب الله سبحانه وتعالى que cette maman fait partie des gens du paradis et ainsi nos parents aussi et vos parents tous بإذن الله. والكلام الموضوع في الخطبة اليوم هو عنده علاقة بهذا الموضوع، وهو أننا بما أننا قلنا كنا عندنا مشاكل وكنا عندنا ذنوب وليس منا واحد هنا الذي لا يذنب. N'y a pas un parmi nous, homme ou femme, qui n'a pas commis des péchés, qui ne commet pas de péché. إذن نحن نحتاج إلى ما قلنا ذكرنا عدة مرات، نحتاج أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Nous avons besoin de revenir à la source et de revenir à Allah عز وجل. نحتاج أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا تقل أنني لست معني بالتوبة، لا تقل هذا، لأن الله عز وجل يعرفك أكثر من نفسك. Ne dis pas que je ne suis pas concerné par le repentir, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, le fait de demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Ne dis pas que ce sujet ne me concerne pas. Au contraire, tu es concerné parce que Allah subhanahu wa ta'ala te connaît plus que toi-même, parce que c'est lui qui t'a créé. Et c'est pourquoi il nous appelle dans le Coran al-Karim wa yaqulu lana wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun. Al-mu'min مطالب بالتوبة. Et repentissez-vous tous, ô vous les croyants. Les croyants, يعني المؤمن كذلك مطالب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يتب عليك الله عز وجل فخسرت الخسران المبين. Si Allah عز وجل n'accepte pas le repentir, eh bien c'est vraiment la perdition totale. اللهم تب علينا توبة ترضيك. فالتوبة أيها الإخوة، أول شيء من هذه التوبة هو الاعتراف بالذنب. الاعتراف بالذنب، أن تعترف بذنبك. Le fait de reconnaître son péché auprès d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, tu ne vas pas aller raconter aux gens ce que tu as fait, que j'ai fait tel péché, non. Le péché, il est entre toi et Allah Azza wa Jal. Il y a deux types de péchés, entre toi et Allah Azza wa Jal, et entre toi et les humains. يعني الذنب قد يرتكب الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وقد يكون الذنب بينك وبين عبد من عباد الله عز وجل. فلما يكون هذا الذنب يرجع إلى الله عز وجل وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة عندها شروط، ثلاثة شروط، trois conditions pour se repentir. Trois conditions quand il s'agit de dhanb entre toi et Allah Azza wa Jal. Et une quatrième condition qui se rajoute quand tu as le dhanb entre toi et un être malade de tes frères ou l'un des êtres humains. Yani le répondre, l'i'tiraf, le dhanb,
أول شيء يقوم بالإنسان أن تعترف بذنبك، وهذه سنة الأنبياء والصحابة. وما كان عليه الصحابة، حتى الأنبياء كانوا يعترفون: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. آدم عليه السلام، آدم يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، يا الله nous avons été injustes envers nous-mêmes. Pardonne-nous, يا الله. اعتراف بالذنب، اعتراف بالخطأ. أول شيء يبدأ به الإنسان هو هذا. Donc la première des choses par laquelle, avec laquelle il faut commencer, c'est de demander ou bien de reconnaître qu'on est fautif, de reconnaître qu'on a fait le péché et non pas fermer la porte et dire que je ne suis pas concerné. Allah ça fait mal au cœur de voir des papas qui sont debout derrière et qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Essayez de leur libérer, ne serait-ce que quelques centimètres, là, Jésus comprenne, parce qu'un centimètre multiplié par 1000 ou par 200, par 500, ça peut libérer de la place pour vous. Allah il va le faire, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous donne et nous donne tous une place au paradis, Inch'Allah. إذن قلنا أيها الإخوة أن يعترف الإنسان بالذنب. موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو التواب الرحيم. يونس عليه السلام: وذا النون إذ نار مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. كيف قال يونس عليه السلام؟ إلى ذي سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جئت parmi les injustes. يعني اعتراف بالذنب من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام، البروفيت عليه الصلاة والسلام أبقي، والحديث في البخاري، يعني قال لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوفوا التربية اللي كانت النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه، الإدوكاسيون كان دوني البروفيت عليه الصلاة والسلام. يدي أبو بكر دي Allah Azza, dis: Ya Allah, j'ai été injuste envers mon nefs, envers moi-même. Parfirli, pardonne-moi, il n'y a que toi qui pardonne les péchés. Et il apprend à Abu Bakr pourquoi? Pour qu'il reste en relation continue et permanente avec Allah Azza. À chaque fois que tu as ton nefs qui te pousse à pardonner, eh bien, reviens à Allah Subhanahu wa Ta'ala sur place. كل ما سولت لك نفسك باش ترتكب الذنب وباش تخطئ وباش تغلط، فعود الى الله وارجع الى الله سبحانه وتعالى، لانك اذا عدت الى الله الله عز وجل يغفر لك ويرحمك. وجاء كذلك في البخاري اننا لما جاءت حادثه افك، لو كنت انزون كنت لي مين كريون انزون تريتي عائشه، انزون ديك عائشه افي ان ذنب افي ان بيشي في حادثه افك، النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه: فان كنت بريئه فسيبرئك الله عز وجل، يبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. سي إكستراوردينيغ، سي مانيفيك. بروفيت عليه الصلاة والسلام إنت إن تران دو دير: سي تو كومي لو بيشي، إي كو تو روكوني تون بيشي، إي تو دير: يا الله باردون موا، جو روكوني مون بيشي، الله عز وجل يغفر لك. الإنسان يعترف بالذنب يقول: يا رب أنا أخطأت في حقك، أخطأت في حق فلان، ارتكبت ذنب كذا وكذا، يا رب اغفر لي. لكن ما يبقاش الإنسان أيها الإخوة، يبقى الإنسان عايش في الذنوب وعايش في الهم وعايش في المشاكل ويسير ولا يبالي بما حوله حتى يباغته الموت. فباغسي دون لانسوسيونس، لانسوسيونس توتال. Il avance, il fait des péchés, il fait des bêtises, il fait des problèmes, il prend le droit de celui-là, le droit de celui-là, l'argent de celui-là, il opprime celui-là, il opprime celle-là, Et il continue et il avance, et à un moment il va se retrouver devant la mort. Et le problème, des fois, il n'a même pas le temps de revenir. Il n'a même pas le temps de demander le pardon. بعد الأحيان ما كيكونش عنده الوقت حتى يتوب، يعني كيجي موت فجأة أو موت فجأة، يعني rapidement il part. Un accident, puis ça y est, la personne est partie. Elle n'a plus le temps de. Et là, je le dis aux jeunes. Il y a un jeune, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, un jeune est décédé devant son ordinateur. Je vous l'avais dit il y a 2 ans, 3 ans. Il est mort devant son ordinateur. Et le problème, il n'a même pas eu le temps de cliquer sur la fenêtre pour fermer ce qu'il était en train de regarder. Et c'était terrible ce qu'il était en train de regarder. L'an amour biyadillah azza wa jal. L'a'mal wa rouh biyadillah. Ya'khudhuha ma tasha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cet âme. Et bien, il apprend quand il veut. C'est lui qui dit: imagine que tu es en plein péché.
en plein péché, déjà se sont décidés un homme et une femme en plein adultère, les sœurs. Quand on fait zina, je vais mettre juge l'arda wa'id. Il choua et il s'en fait bien. Ou il chouasse à maman Allah et sa ouzidé en priyama. Il est divulgué dans cette vie d'ici-bas, il paiera très cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah da'alakoum, surtout les jeunes. Les jeunes, vous savez, il n'y a pas un qui ne connaît pas le halal et le haram. Nous connaissons tous le halal et le haram. Tu sais bien, quand tu avances dans un chemin, tu sais bien si c'est halal ou c'est haram le chemin dans lequel que tu prends. Le chemin que tu prends. الطريق الذي تغذي فيه أنت تعلم أكثر من أي أحد هل هذا الطريق الذي تسير فيه هو طريق خير أم طريق شر النبي عليه الصلاة والسلام علم له الفطرة على الإنسان تقول له من ton état il est te dit attention ce que tu es en train de faire il n'est pas bon ce que tu es en train de faire est haram tu n'as pas besoin que les gens te le disent du fois tu le ressens toi-même et bien quand tu ressens que tu es dans ce chemin-là fais attention essaye de revenir حاول ترجع إلى الله سبحانه وتعالى توب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يباغتك الموت وأهمية الاعتراف بالذنب هي حقيقة التوبة la vérité, la véracité de التوبة du repentir la première chose c'est de reconnaître son erreur tu vois, par exemple, t'as un enfant ton fils Ibn Diyar qui j'ai dit qu'il peut être Abi ou Ummi أنا أخطأت اسمح لي رجل je reconnais cette erreur أنا معترض tu sais un Quand ton fils ou ta fille vient te voir, il te dit « Papa ou maman, ben excuse-moi, j'ai fait cette erreur et je reconnais cette erreur et je ne reviendrai plus à cette erreur. » Attends, tu sais, tu vas le pardonner. Mais si la personne a fait l'erreur et il continue à s'entêter et il ne veut pas reconnaître, c'est là où il y a des problèmes commencent. « Walidai matal a'la » Donc, « Indama ta'talif bidan bikam Allah Azza wa Jalla » Où se joue dit Allah Azza wa Jalla Bien, prosterne-toi devant Allah Azza wa Jalla. Je me guide ce jour d'un col, Ya Rabbi, en attaquant-toi à d'un la ahadé aïfou inna ant. Ça, c'est vrai ou pas? Des fois, tu fais des genoux, personne n'est avec toi. Et tu sais que c'est un dhan. Et tu sais que c'est une erreur. Et personne ne l'a vu. Et personne ne t'a vu. Et personne n'est au courant. Mais tu sais bien qu'Allah Azza wa Jalla te courant de ce que tu es en train de faire. Donc, la moindre des choses, eh bien, viens dans ta prière et dis à Allah, je fais cette erreur, personne n'est au courant, il n'y a que toi. Ya Allah, pardonne-moi, je regrette ce que j'ai fait. Il faut avoir cette notion de répondir à des tawar qui sont les ulama. Il faut l'apprendre. Parce que au moins, après chaque péché, tu fais l'erreur. Il ne dit pas que je ne vais pas faire de péché. Non, tu es un être humain, tu vas pécher. Anta insan, wa anta ibn Adam, ibn Adam khata, la abdam al khata. ولو لم تذنب أو لم تذنب لذهب الله بنا وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله عز وجل الله سبحانه وتعالى aime العبد الملحاح il aime le serviteur qui insiste sur le repentir juste le salaud et le dire تطلب الله سبحانه وتعالى ولكن أيها الإخوة ماشي الإنسان يرتكب الذنب ويطلب الله سبحانه وتعالى التوبة ثم يرجع إلى هذا الذنب لأن من شروط التوبة parmi les conditions du repentir qui sont trois comme ce qu'on a dit au début qui sont trois, la première chose c'est de antoukli' al-dhanb. C'est que tu arrêtes sur place le péché que tu es en train de faire. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, antandam ala al-dhanb, que tu regrettes d'avoir fait ce péché. Wa al-amr al-thalith anta'zim an la ta'ouda ila hadha al-dhanb. Et la troisième condition c'est que tu prennes la décision de ne plus revenir à ce péché-là, de ne plus refaire la même chose. Une personne qui a bu de l'alcool. Il boit de l'alcool, il boit le khamr, fa ya'alim anna wa haram. Wa aradani tuba l'Allah azza wa jalla. Awal shi, yuqli', il arrête. On va dire la drogue par exemple. Il y a quelqu'un qui se drogue. Il dit à Allah, alhamdulillah, maintenant je te demande de me pardonner à Allah, je veux revenir à ton droit, à ton chemin. Ya Allah, pardonne-moi. La première des choses à faire, c'est d'arrêter cette drogue, de l'arrêter sur pas. Il y a plusieurs moyens, alhamdulillah, de l'arrêter parce qu'il y a des gens qui disent que je ne peux plus m'en passer. Mais tu peux t'en passer, Inch'Allah, avec la volonté et avec l'appui sur Allah Azza wa Jal. Tastatir an tukli' an al-khamr, wa an tukli' an al-tadkhin, wa an tukli' an al-zina. Tous les péchés, il y a les moyens pour s'en passer, pour s'éloigner, pour arrêter. Elle est que tu arrêtes ce péché-là, on parlait de la drogue, et bien tu arrêtes sur place, ça c'est la première condition. Deuxième condition, tu regrettes toutes les fois et tous les moments dans lesquels tu avais pris cette drogue. Et en troisième condition, que tu prennes la décision de ne plus revenir. Et sache bien que quand tu as quelque chose, quand Allah voit
que tu as dans ton cœur une volonté sincère, la Azzawajal va t'aider. Allah subhanahu wa ta'ala fi khayran, yu'tikum khayran. Allah Azzawajal, quand tu vois ce qu'on a dans le cœur, il nous aide. Et que le repentir est juste caché. Tu dis que Allah pardonne-moi, mais dans ton intention, tu as envie de revenir. C'est comme quelqu'un qui commet par exemple l'adultère ou la fornication, il dit Ya Allah pardonne-moi. Et il continue dans son chemin. Il continue à avoir une relation qui est haram, une relation qui est interdite avec une personne qui n'est pas dans le cadre légal du mariage. Et il dit, il continue. خديت له حقه هنا عندك الشروط الثلاثه الاولى الاقلاع والندم والعزم على عدم العوده وكيتزاد لك الشرط الرابع ان ترد المظلمه لصاحبها لا كاتريام كونديسيون سي كو تو ردون لو دووا ا سيلوي دو كي تو ا بري سو دووا لا ا سيلوي كو تو ا اوبريمي تو لي دوموند دو باردون لكن الحمد لله العلماء يقولون يعني ان ترد له مظلمته إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر. Tu lui demandes par exemple le pardon, tu vas le voir et tu lui dis que voilà j'ai des injustices par toi, je fais ça. Si tu sais bien que cette personne, ou bien si tu sais que ce geste-là ne va pas encore créer des problèmes, parce que ça arrive des fois. Ça arrive parce que le frère ou la sœur, ça y est, il s'est répondu, il dit Allah pardonne-moi, j'ai fait une erreur envers Fodail, je vais aller voir Fodail, et Fodail, excuse-moi, j'ai parlé sur toi la dernière fois, j'étais calomnie, j'ai fait la médisance sur toi, etc. Si je sais que Fodail ne va pas accepter, ou Mohamed Khalid Saïd ne va pas accepter que le fait que je lui dise ça, il aura encore plus de problèmes. Eh bien, il vaut mieux que je ne lui dise pas, et par contre, je lui fais des do'as dans mes prières, et je lui fais do'as à chaque fois, comme ça, au moins, il y a tout, Allah Azza wa Jalla. Les frères et les sœurs, on essaye d'être, Inch'Allah, sur ce chemin de At-Tawba, Wal-Rujur, Il-Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa An Yaqli' Al-Insan Alayhi Al-Sayyad, Allahumma aj'alna min At-Tawwabin, Wa aj'alna min Al-Mutatahirin, Wa aj'alna min Al-Ladina Yisma'una Fi'amaluna Wa Yaqlisuna Al-Amala Lillah, Inna wa Sami'un Mujib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. التوبة أيها الإخوة يعني باب التوبة مفتوح عند الله عز وجل حتى يغادر الإنسان. هذا الأمر يجب أن نعلمه ونعرفه أن باب التوبة لا porte du repentir elle est ouverte et elle ne se ferme qu'au moment de la mort. C'est-à-dire quand la personne n'arrive plus à revenir, quand l'âme arrive là, c'est-à-dire que ça y est, c'est le moment de la mort, c'est là où cette porte elle se ferme. Donc, mais tant qu'on est vivant, alhamdoulilah, tant qu'on a la possibilité de parler, tant qu'on a la possibilité de bouger, eh bien, bab tawba mazal maftouh, la porte est ouverte. Tu fais des péchés, eh bien, après tu sors Allah Azza wa Jalla, reviens et dis, Ya Allah, pardonne-moi et donne-moi la force pour arrêter cette chose-là. L'alcool, la cigarette, la drogue, l'adultère, le vol, le kadhib, le mensonge, et tous ces péchés-là, l'insan, il faut demander à Allah Azza wa Jal de l'aide et s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala et pratiquer les conditions qu'on vient de dire et demander à Allah Azza wa Jal dans sa prière et à tous les moments d'être. D'accepter notre repentir et que l'on a dit 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 que l'on a dit
un. Et puis un frère qui voulait, miskin, voyager pour aller voir sa mère. Mais il y a une chose qui l'empêche d'aller, une chose majeure. Et ce frère, il vous demande de lui faire les deux, inshallah. Tout Allah subhanahu wa ta'ala, ajmi, an yajma'ahu bi ummi fi aqrab waqt. Wa an yasahhal umur diru, wa an yusahhil alayhi umura. Wa an ya'tiyahu ma tamanna. Tout Allah azza wa jal, an yaftah lahu abwab al-khayr. Tout Allah subhanahu wa ta'ala, an yufarrij an ikhwanina jami'an. كل من عنده مشكل هنا في المسجد وعنده يعني الأمر ما يستطيع أن يحله فنسأل الله عز وجل أن يسهل طريقه وأن يعطيهم ما تمنوا وأن يفتح لنا أبواب الخير كلها وكذلك إخواني يدعونكم ليطلبونكم دعاء أولادهم بالصلاح اللهم أصلح أولادنا جميعا واجعلهم من الصالحين واجعل أبناء بناتنا من المحتجبات ومن السائحات ومن الراكعات ومن الساجدات وارحم أمهاتنا وارحم هذه الأم رحمة واسعة وألحقنا بها صالحين غير مفتونين اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها واغفر لجميع المسلمين يا رب واشف جميع أمراض المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.